Je suis Mahor Chiche, avocat au barreau de Paris, élu à Paris 19e, adjoint au maire à la démocratie locale et la mémoire. J'ai commencé à 17 ans à militer à la FIDEL, la Fédération indépendante et démocratique lycéenne. Je me suis engagé également au sein des SOS Racisme. Le 19e, pour moi, est un cœur important, un attachement important, d'abord parce qu'il unit beaucoup de communautés et de nationalités différentes, et aussi parce que finalement, il ressemble à la fois au Paris qu'on aime, au Paris moderne et au Paris historique, et à la fois à des quartiers plus populaires, avec peut-être aussi des enjeux qui existent en banlieue sur la mixité sociale, la lutte contre la pauvreté, l'éducation populaire. Et ces défis-là sont finalement ceux que rencontrent beaucoup de villes de banlieue et qu'à Paris 19e, on est aussi amené à côtoyer. Quand j'ai été lycéen et sportif au sein de l'Amicale parisienne du 19e, tous les dimanches, on allait à la rencontre d'autres jeunes et d'autres équipes de football dans 93. Et c'est vrai que c'était des moments importants puisque finalement, c'est aussi comme ça qu'on se construit et qu'on découvre aussi la fraternité. À travers le sport et l'intégration, on réussit quelque chose de fort. Et c'est une belle manière de faire des ponts entre Paris et sa banlieue. On a le racisme, on a l'antisémitisme, on a la xénophobie, mais on a la lutte contre les discriminations qui doit être une priorité. C'est important aujourd'hui que lorsqu'on est français et qu'on est jeune et qu'on veut postuler à un emploi, qu'on veut postuler à un loisir, qu'on veut en tout cas participer à la vie de la cité, qu'on ne soit pas freiné à cause de son origine, de son identité culturelle, de sa religion, de son adresse. Et c'est vrai que les discriminations aujourd'hui créent à la fois de la stigmatisation et à la fois de la frustration. Il y a énormément de frustration et de révolte chez les jeunes et les moins jeunes, parce qu'on a des cadres supérieurs qui sont discriminés, alors discriminés dans leur carrière, mais discriminés aussi dans les politiques de recrutement et aussi dans les loisirs. Et finalement, accepter une discrimination, c'est un renoncement énorme pour l'esprit républicain. J'ai participé à de nombreux états généraux sur la question des ghettos, du racisme, des discriminations avec SOS Racisme. Je crois que c'est important d'utiliser tous les vecteurs finalement culturels, sportifs, politiques pour ramener du lien entre les habitants déjà, entre les décideurs publics et les citoyens et créer finalement un espace de fraternité qui manque cruellement aujourd'hui.